Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour le dernier Yes Weekend de l'année. Aujourd'hui, un groupe dont vous avez forcément entendu parler. Et chez nous, regardez le sommaire. Le groupe fidjien Roots Rata est avec nous sur la scène de Yes Weekend. Ils sont sur le territoire pour plusieurs dates, dont ce week-end pour la 10e édition du festival Tchaboko à Calagomène. Kena Poignena, trésorier du comité d'animation culturelle de Bois-Panou, est avec nous. Il nous parlera du festival avec Glenda qui nous fera la traduction pour le groupe Roots Rata. Stéphanie est de retour à mes côtés pour la dernière. Elle nous a préparé... Ben on sait pas, qu'est-ce que tu nous as préparé? Salut Adrien, bonsoir tout le monde. Alors Noël, c'est dans 13 jours, donc je ne pouvais ne pas vous en parler. D'ailleurs, on a décoré notre plateau pour cette occasion. Et pas que le plateau? Oui, moi aussi d'ailleurs, toi non. Hein, non. Je suis pas en Noël, moi je suis plutôt en vacances. Donc il y a beaucoup de symboles derrière cette fête familiale, c'est ce que l'on va découvrir dans ma chronique Les Perles du Web et dans notre fameux jeu spécial, toujours Noël. Les papilles de notre invité et les tiennes vont être titillées. Ça marche, merci beaucoup Steph. Et c'est Cédric Tia qui viendra sur le plateau nous parler de son dernier magazine de l'année, Weary. C'est demain à 19h. Il est allé pour les fêtes faire la cuisine avec son grand cœur auprès des sans-abri. Mais sans plus attendre, ils nous font l'immense honneur d'être avec nous ce soir, le premier live de Roots Rata. Quand vous voulez. Bonjour. I need your help, come help me now. There's so much pain, wasted, I'm hungry, I've so much to give, and all we need is a chance to live and just be free. Society, but who's to blame? Just open your eyes and try and see the reality. Then you would feel the way we feel where there's so much pain. For we are the victims of this political war. We do not want our children to suffer more. In West Papua, in a world where only the few would rule, no equal opportunity for the majority. Unite now.
Thank you very much. Freddy, please come with us. Quel beau morceau. Ah, allez. Trop bien. C'est... Ça fait reposer. Freddy, thank you very much to be here. Thank you. What a wonderful song. Quelle belle chanson. My first question is for you, Freddy. I train English. Je vais essayer de poser ma question en anglais. You have made a wonderful concert on Lifu. How was the vibration? Comment étaient les vibrations à Lifu, le concert le week-end dernier au Fest Mela? Can you talk about your stay in Lifu? What about the concert you've done over there? Oh, okay, yeah. We had so many problems coming through to, I mean, finally reaching New Caledonia and then on to Lifu, particularly with my government, who had stopped me on the airport before I came. Okay. There was a delay, but I made it. It's because of the power of the music. We are being vocal over West Papua now, because they are part of our Melanesian family. So we care for what is going on there. And I have been vocal on Facebook with Ruth Strada Fiji, in a peacefully, in a more peaceful way of saying through music about the situation there. But anyway, it was a brilliant concert in Lifu. Alors, si on peut juste traduire rapidement, Glenda, merci d'être ici avec nous. Je vous en prie. Alors, du coup, en fait, il a eu quelques problèmes, on va dire, d'ordre diplomatique, en fait. De sa venue ici, voilà, à la frontière, en arrivant ici, par rapport en fait à tout ce qui se passe en Papouasie. Et, mais en fait, voilà, ça c'est vraiment les tracas du voyage, hein, pour arriver jusque-là. Mais par contre, sur Lifu, le concert en lui-même, ça a été vraiment, ça a été formidable, hein, je pense. Hein, yes. Most importantly, we felt very happy. And very honored because after 30 years, ever since we left Lifu, was the last time we were there, 30 years ago. And that is a really long time. And we were honored in the fact that, you know, after 30 years coming back to Lifu, we found there's been a lot of changes in the attitude of people. And especially the development that has been happening now that we have It's better or not? It's better because they're having an international airport very soon. And that would link Fiji directly to Lifu instead of coming the other way and any part of the world. So we are very honored at that. And also because the Kanaks are very close to my heart. When I wrote the song Brother Kanaki 30 years ago, I never performed the song until I came back 30 years later. But to explain shortly why I wrote the song, it was how I saw the Kanaks were at that time, 30 years ago. I see their smiling faces. I see how they are unified and family-based people, loving you their heart. And I felt that apart from whatever happened before that, the revolution and many Kanaks died, I feel that the message that was to come after that was to be about peace and love and unity. Voilà. Glenda, ça va être compliqué parce qu'il a dit beaucoup de choses. Non, ça va être compliqué, mais c'est l'essentiel, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de changements en fait depuis la dernière fois qu'ils sont venus, c'était il y a 30 ans. Et donc, la chanson Brother Kanaki, en fait, ça vient du fait que les premiers temps où ils sont venus, c'est vraiment montrer en fait la valeur humaine des Kanaks. Et en fait, d'il y a 30 ans jusqu'à maintenant, à aucun moment il a changé ou réinterprété la chanson Brothers of Kanaki. Et en fait, que Lifu, là où ils sont allés aussi il y a 30 ans, eh ben, ça a changé, mais en positif. Voilà. Le développement s'est fait vraiment dans le sens positif du terme. Voilà. Il trouve qu'il y a une belle unité, un bel amour envers tout ce peuple, même s'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Négatif, mais en fin de compte, voilà le message qu'il a envie de faire passer, c'est ça, c'est l'unité, la paix. Donc voilà, à travers cette chanson en particulier, quoi. Ok.
On en reparlera du message. Je me tourne maintenant vers toi, Kenna, en tant qu'organisateur de leur prochaine date. Hein, c'est le 14 décembre à Calagomène. Tu dois être content du succès qu'a eu ce concert à l'IFU. C'est clair. Bah ouais, en fait, le fait de les avoir là avec nous et puis en ayant peut-être un avant-goût aussi de ce qui va se passer au Chabuco, ben c'est... On va dire qu'on est impatient, même un peu stressé, on va dire, parce que c'est un privilège de les avoir avec nous. Et tout ce qu'il a dit, au fait, pour justement ce qu'il voit et ce qu'il a vu depuis qu'il est venu ici au pays il y a 30 ans, on est un peu dans le même chemin. Nous aussi, ce qu'on pense faire aussi pour le festival et tout ce qui se passe à Gomène. C'est vrai que c'est une très belle chose. Et puis, wow, c'est beaucoup, beaucoup. Et déjà des émotions à partager ensemble, tout ça. Et on attend que ça au festival Chabuco, c'est de... voilà quoi. Alors pourquoi les avoir fait venir à ce festival Chabuco? Pourquoi Roots Rata? Roots Rata, c'est justement parce qu'ils sont venus il y a 30 ans. Ben, peut-être nos papas, ils les connaissent bien. Et on entend parler Roots Rata, Brother Kanaki, tout ça. Peut-être ce morceau, on le connaît. Mais des autres morceaux, non, on ne le connaît pas. Mais nos parents, celui-là, Roots Rata. Oui, ça c'est Roots Rata, c'est nos papas. Mais nous, on est là, ok, ben, cool. Ouais, ils sont cool, ben allez, on va les faire venir. Et puis en même temps, c'est parole de paix. C'est ce que nous, on essaie de... Voilà quoi, c'est... pas d'autre chose. Hein. Comme il disait, c'est la paix, l'amour, et puis il faut valoriser ça chez nous, ici au pays. Surtout chez nous, justement pour le Chabuco, c'est ça. Hein. On valorise ça. Faire en sorte qu'il y a tellement de choses positives qui ressortent aussi. Beaucoup de choses positives qui ressortent. Ok, et il faut les montrer. Il faut les montrer. Mais il faut les montrer, c'est ça. Exactement. Freddy, quel est le message que vous voulez faire passer dans vos chansons, on en a parlé, il y a la paix, l'unité. Est-ce qu'il y a autre chose? What is the message on your song? Oh yeah, the message in Roots Rata's music is always for the peace and love and unity and freedom for especially the neighboring we as Melanesians in the South Pacific. It's very a small minority. But we must foster love and peace and unity for all. Ok. Donc voilà, vous l'avez compris. Le message principal, en fait, de Strata à travers les chansons, c'est ça. La paix, l'amour, l'unité. Et puis, surtout qu'on est tous voisins dans le Pacifique, voilà. Et c'est ça le message qu'il essaie de faire passer à travers les chansons. Ok, ils étaient venus il y a 30 ans, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que Kenna, un groupe qui dure, c'est une valeur sûre pour un festival? Ça fait venir toutes les générations, quoi. C'est clair. Ah ouais, surtout nos papas, parce qu'en ce moment, les jeunes, c'est eux qui prennent un peu l'espace, je veux dire, un peu partout. Et le fait de faire revenir Roots Rata chez nous, je pense que ça va faire sortir des souvenirs chez nos papas et tout ça. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose et ils ont duré dans le temps, c'est que franchement ils chantent ce qu'ils disent et puis avec leur cœur, puis justement c'est un message pour nous aussi à Gomène, pour toutes les générations justement. Et peut-être que grâce à Roots Rata, nos papas ils ont voulu dire écoutez bien ce qu'ils disent et puis vous allez, je pense. Ça marche. Freddy, quel est le secret pour durer 30 ans? What's the secret? What is the secret for lasting during 10 years? You're still singing today. The secret is, we keep up with the day-to-day reality of people all over surrounding us, because when we keep up with day-to-day living with everyone in the Pacific, we have common problems. We face common problems and we have same aspirations to do better things and good intentions to do good development, especially for our people. Because I feel we have to catch up with the rest of the world, especially in Fiji. For the indigenous Fijians, they have to catch up with our Indian brothers and sisters in terms of economy. We are very poor. So
there must be an interaction where we can be united to see what we own as indigenous people, the natural resources, and come together and put this wealth together to try and solve the problem that our people are going through, which is poverty. Yeah. And we need money, we need education, and all this based on money and what mm-hmm. we own. Without this, we are nothing. We'll be on the street okay. begging. Voilà. En fait, c'est le secret, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est de vivre au quotidien avec les gens, avec leurs soucis, et puis de refaire transparaître ça à travers la musique. Et c'est toujours pareil, le principal souci à Fidji, c'est la pauvreté. Donc, du coup, à travers leurs chansons, ils essayent de faire passer le message qu'en fin de compte, que la pauvreté, en fait, c'est rien, quoi. Si on est tous ensemble, on est tous unis, ben, on peut tous avancer voilà, pour un monde meilleur. Et puis, comme il le dit, voilà, dans l'amour, la joie, voilà, c'est ça. C'est vraiment le message de paix. De paix, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Freddy. Merci, Glenda. Merci, Kenna. Vous restez avec nous pour les perles de Steph qu'elle va nous présenter. C'est parti. Jingle. I go back there? No, you can stay here for the moment. Oh. Donc je disais, il y a beaucoup de symboles derrière Noël. Il y a many symbols behind Christmas. Par exemple, la bûche de Noël. Donc on dit Christmas log en anglais. You know the cake? Yeah. We eat for Christmas. Yes. You how do you call it? Christmas? Christmas cake. Christmas cake. Ah, ok, moi je crois que c'est Christmas cake. Look. Tout simplement. Cake, ok, super. Donc à l'origine, voilà, c'était ça. Donc la bûche, c'était la bûche de Noël, en fait, c'était une bûche de bois, en fait. D'accord. La tradition voulait que l'on brûle un vrai rondin, en fait, après la messe de minuit, okay. une manière de rendre hommage, en fait, au soleil qui se faisait rare pendant l'hiver. Et donc la façon dont voilà, le feu brûlait, la couleur des flammes, ça pouvait avoir diverses significations. On mélangeait en fait, il faut savoir qu'on mélangeait les cendres de la bûche choisie à du vin, du sel, du miel ou même de l'eau bénite pour ensuite s'en servir comme un porte-bonheur en fait pour guérir certaines maladies. Comme, et puis en plus c'était aussi une protection contre les orages, enfin, c'était à l'époque, hein, pour fertiliser les terres aussi et pour attirer donc la prospérité. Okay. Donc on allait même jusqu'à déposer un peu de cendre dans le cercueil d'un mort pour lui porter chance dans l'au-delà. D'accord. Et c'est devenu la bûche de Noël en chocolat. Voilà, ça a changé. Aujourd'hui, c'est probablement donc dû à l'arrivée des poêles enfantes. Ah oui. Tout simplement. Hein. Okay. On ne sait pas, en fait, la bûche de Noël qu'on connaît, le dessert, en fait, c'est difficile de savoir la date exacte de son apparition. On dit que on la doit à un chocolatier parisien qui aurait créé la première bûche de Noël en 1834. Mais on attribue aussi sa création à un pâtissier lyonnais quelques années plus tard. Donc, on ne sait pas. En tout cas, j'espère que tu en as fait une. Non. Bah bravo. Non, tu n'auras pas cet honneur-là. Merci beaucoup, Steph, pour ces petites anecdotes sur Noël. Freddy, it's time to you for the second live. Thank you very much. Merci beaucoup, Glenda, encore pour la traduction. Merci. Nous faire comprendre un petit peu les émotions passées à travers toutes ces chansons. Merci, Steph, pour les perles. Et puis, on va passer, comme je viens de vous le dire, au deuxième live de nos invités, Roots Rata, qui sont en concert. Ne ratez surtout pas, c'est le 14 décembre, donc ce week-end, à Calagomen, pour le festival Chaboco. C'est Roots Rata. That feels you have a brother, true brother, warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior. If
you want to know the secrets of your lifetime, you've got to clear your mind from all your evil thinking. Cause the day will come when you will have to suffer for all the lies you made against your brother. Warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior. God makes the color of the rainbows like the different colors of the human races. You should never feel you're different from the other, your brother. Warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior of love, warrior. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Glenda, si tu veux, je peux te libérer. Oh, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons plus besoin de notre talent de traductrice, de tes talents de traductrice. Merci beaucoup. Kenna, on va parler un petit peu du festival maintenant. Mets-toi au milieu du canapé, tu as de la place maintenant, donc n'hésite pas. Hein. Fais comme chez toi, prends la place. 10e édition du Tshaboko Festival à Kaalagomène. C'est un anniversaire important, les 10 ans. Vous allez fêter ça de belle manière. Oui, souvent en fait notre festival on faisait une seule journée. Mm-hmm. Et là on a pensé à faire un week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. D'accord. C'est important, c'est surtout aussi pour tout le travail qui a été fourni par tous nos, on va dire, les anciens comités et tout ça. Mm-hmm. On va dire nos grands frères et nos grandes sœurs qui sont derrière, parce que il y a quand même une première édition, une deuxième édition et tout ça jusqu'à la 10e édition. Donc ça a beaucoup de valeur parce qu'il y a eu un combat quand même, des choses comme ça, comme quoi il faut faire quelque chose pour tous nos jeunes et tous ces, pour la région, quoi, pour essayer de faire sortir tout ce qu'on a chez nous, surtout. Mmh. Et ouais, c'est quelque chose qui est important et puis à toujours valoriser. Mmh. La culture, nos savoir-faire traditionnels et tout ça, c'est tout ce qu'on fait au festival, quoi. Et en plus de la culture, il y a un groupe international cette année. Est-ce que c'est la première fois ? Deuxième fois. Là ? Ouais. Il y avait One Talks qui sont venus. D'accord. Il y a 2-3 années de ça. OK. Et là, on a le privilège d'avoir quand même Nayo et Road Strata qui sont... Ouais, c'est super. Bon, il y a Ton Edo qui arrive de l'IFO. On peut considérer que c'est des grands parce que ça, c'est nos grands frères aussi de la musique du pays, quoi. Donc, ouais. Donc sur 3 jours, des concerts, vendredi, samedi, dimanche. Ce week-end en fait, vendredi, c'est une soirée culturelle. Ouais. On fait l'accueil, on se dit bonjour et tout. Avec un pilou. Et oui, c'est ça. Il y aura les chorales. On privilégie tous ceux de la région déjà. D'accord. De la maison, on va dire. C'est-à-dire il y aura les chorales et après, juste après les chorales, il y a normalement des danseurs qui vont venir. Des danseurs traditionnels et bien sûr après on a le pilou. Aïe aïe, c'est parti. Okay, oui, un petit bal, on va dire petit bal aïe aïe. Ça lance à la maison. Ça lance c'est soirée culturelle, c'est ça. Alors Tshaboko, qu'est-ce que ça signifie ? Tshaboko. Tshaboko en langue de Gomen, en Douanga, c'est lève-toi, debout. Il faut se lever. Debout. Tshaboko. Voilà ce que ça veut dire. C'est un message ? Oui, ça veut dire beaucoup de choses. C'est surtout pour toute personne en mauvaise situation. C'est pour lui dire que voilà, t'es, en même temps, quelqu'un qui est en difficulté ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, financièrement, psychologiquement, on peut trouver quelque chose pour lui faire sortir de là. Le festival, c'est quelque chose pour les musiciens qui sont à la recherche de, je sais pas, d'identité. Le festival, il est là pour justement les aider à mieux valoriser leur travail, justement les efforts qu'ils fournissent dans la musique. C'est une bonne chose, continue comme ça, viens au festival. Mm-hmm. Logiquement, en fait, tous les groupes de Gomen, tous les groupes de la région, ils sont forcément sur la scène, là, à chaque édition du Tshaboko, ils sont tout le temps là.
Et puis pour tous les savoir-faire de nos mamans qui sont dans les tribus, qu'on ne voit pas souvent, mais que voilà, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils savent faire ça, il y a ça? Ben oui, il y en a, mais sauf qu'on ne savait pas. Mm-hmm. Justement, ben, ma tontine qui habite à côté, elle sait faire ça. Ah bon? Mm-hmm. T'es sûr? Ben voilà, ouais, justement, venez, on met ça en place. Et puis justement, ça m'appelle Tchaboko et des trucs comme ça. T'as vu, il y a l'élection de Super Mamie aussi. Ouais, c'est ça, c'est nouveau en fait, ça c'est nouveau. D'habitude on fait simplement un défilé et là il y a une proposition d'une maman comme quoi il va faire un défilé de super mamie. Ben, allez, c'est parti, ben, s'il faut, c'est toujours de la valorisation. Et puis, ouais. Exactement. Montrer un petit peu les mamans. À travers une programmation comme vous l'avez faite, et on veut forcément passer un message. Quel est le message que le festival Tchaboko et l'association Bois Panou qui porte ce projet veut faire passer? Alors, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que on est un peu dévalorisé par tout ce qui se passe. Voilà, on sait ce qu'il y a chez nous. Et justement, c'est un combat pour emmener tous nos jeunes. Voilà, il faut ouvrir les yeux. Et il faut se dire que on a tout ça chez nous. On a toutes ces choses et c'est pour encourager. J'aurais jamais pensé un jour que je serais dans ce comité-là, parce que c'est le comité animation culturelle qui prend. Mm-hmm. Je remercie aussi tous ceux qui sont venus avant nous. Et justement, c'est justement pour encourager et dire que c'est possible de faire des choses chez nous, c'est possible de monter un festival. Mm-hmm. C'était difficile au début parce que justement, on ne voulait pas le faire. Puis justement, il y a un combat, on va dire un combat, comme quoi c'est pour faire sortir nos jeunes d'une certaine façon. Et justement, c'est grâce à ce festival-là où tout doucement, on valorise tous nos enfants, tous nos jeunes. Parce qu'il y a des activités pour les enfants, pour tout le monde. Pour tout le monde. Et ce que j'allais dire en conclusion, il n'y a pas que de la musique. Il n'y a pas que de la musique, il y a de l'animation pour les enfants, il y a des ateliers vivants, sculpture, tressage, confection d'épuisettes traditionnelles, et tout ça, justement, à portée de tout le monde, gratuit pour tout le monde. Tout le monde est le bienvenu pour ça. Super. Et on ouvre les portes à tous ceux qui habitent autour de... Enfin, sur le pays, quoi. Mm-hmm. Voilà. J'ai envie de dire Tchaboko, levez-vous et allez au festival Tchaboko. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe au jeu, Steph. J'ai hâte parce qu'on va manger. Allez, jingle. Ok. Il pense qu'à manger. Alors oui, donc dans notre fameux jeu, donc le chocolat, c'est un invité quand même incontournable des fêtes de Noël. Mm-hmm. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs cadeaux, je trouve, gourmand à offrir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais en tout cas, moi j'adore le chocolat. Donc ce soir, vous allez en manger. Ouais. En fait, c'est moi qui... Vous allez voir, j'ai mis des choses dans ces chocolats et vous devrez me dire en fait qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est toi qui as préparé? C'est moi. Donc du coup... T'as fait du chocolat? Oui, alors... Avec une, une plantation de cacao que t'as chez toi? Non. Ah, Steph, faut aller plus loin. Non. Alors, on va commencer. J'ai mis des numéros dessus, c'est pour pas que je me trompe moi-même. Non, c'est pas celui-ci. Ok. C'est là. Adrien, vous prenez le même, de toute façon. Il y en a trois. Moi, je mange pas. Parce que moi, je peux manger, mais moi, je sais déjà. J'ai déjà goûté. Alors, donc, il y a des numéros, mais c'est pas grave. Allez, on en prend un. On goûte. Vas-y, Adrien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez... Du chocolat? Oui, mais normalement, il y a des choses. Mangez bien. Il y a du chocolat, mais il n'y a pas que du chocolat. Je vais goûter aussi parce que c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des zestes de citron. Non. On sent bien. Nous, on a eu du mal. La l'ouest? Non, en plus, il faut bien... croque bien là. Voilà. Mais moi, je sens, hein. Ouais. C'est toi qui as préparé du gingembre. Mais oui, oh là 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 là. Donc, je connais pas le gingembre. Ginger. Voilà, c'est ça. C'est très bon, le gingembre, pour la digestion. Donc, après un repas un peu lourd, donc notamment pour les fêtes, une petite infusion au gingembre, ça va... Vous allez bien digérer comme ça. Vous êtes prêts? J'aurais dû amener de l'eau. Excellent. On enchaîne, on continue. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir goûter en régie? Non, mais Freddy, tu veux goûter? Freddy, come on. Chocolate. Ah non, mais lui aussi. You want to test? Come on. Mais Adrien, il faut que tu prennes le tien. Attends deux secondes, j'en ai plein la bouche. J'aurais dû amener de l'eau. Oh,
merci. De rien. You have to find what is inside the chocolate. There is something inside the chocolate. C'est peut-être un peu plus difficile. Non. Ginger was the first. Almond. Yes. Almond. J'allais dire cacahuète. Almond. Yes. Super. Les amandes. Alors on continue. C'est le dernier. Mais c'est bien. Ah. Allez. Cédric. Viens avec nous. Viens goûter le dernier chocolat, papa. Adrien. Tu voulais manger, ben là tu manges. Excellent. Tiens. Cédric voilà. Qui va venir nous parler de. Je crois que c'est le dernier, celui-là. Hors 4. Peut-être bien qu'il est un peu plus dur, celui-là. C'est vrai? Non, je pense pas, parce que ça en sent bien, normalement. Allume ton micro pendant que tu y es. Allez. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est bizarre. Ça va pas parler. Grave. C'est quoi, ça? Oh, c'est bizarre, celui-là. Je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la pâte d'amande? Non. C'est pas normal. Non, il n'y a pas de pâte d'amande. Ça n'a pas un goût fort, en fait, à la fin? Qu'on retrouve dans les pains d'épices? Du miel? Non. De l'anis? De quoi? La cannelle, anis? De l'anis, oui. Ah, voilà. De l'anis. On l'utilise beaucoup aussi dans pour parfumer les boissons, les infusions et les liqueurs de Noël. Non, mais toi, tu fais ta maline parce que t'as les... Parce que c'est moi qui ai préparé cette... Non, mais à la fin, tu sens bien quand même le... Le sucre, entre le sucre et le... C'est vrai. C'est bon. C'est très bon. C'est café. Oh, tu pourrais dire merci Stéphanie d'avoir fait ça. On me signale dans l'oreillette qu'on ne t'entend pas. L'ingénieur sans. Bon, en tout cas, c'était très bien. Donc, vous avez tous trouvé. Bah, merci, voilà. C'était génial. Je suis pas sûr maintenant. Je suis allumé. Ah oui. Non, mais, par contre, je vois pas. Peut-être un peu plus compliqué. Tony, viens. Il est allumé. Jonas, viens. Viens, Jonas. Viens, Jonas. L'affaire, il est là. Mais sinon, tu tiens comme ça. Hein. Voilà, il manque juste peut-être un coup d'eau, un verre d'eau. On va régler ça pendant le Jingle Magazine et pendant le premier extrait de Weary. Merci beaucoup, Steph, pour ce jeu. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tes chocolats sont excellents. Je te demanderai la recette après. Jingle Magazine. Oh, tu Allez, te calmes. Parti. Hein. Pendant Cédric et que Stéphanie sont en train de se chamailler... On va donc passer au premier extrait de Weary, le dernier Weary de la saison, présenté par Cédric, comme d'habitude, que vous avez vu sur le plateau. On regarde un premier extrait, on en parle après avec lui. Et là, Marco. On va demander à Marco si on peut poser la caméra. Marco, allô ? Hola, Marco. C'est quoi son rôle? Tu fais quoi? Alors, c'est pour le changement d'adresse. Parce que Marco, on n'a jamais changé son adresse. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'on ne reçoit pas son courrier concernant ses comptes. E-N-R-E. Parce que maintenant, après, je mets Marc en dessous. Voilà. Olé. Et là, ça passe. Voilà. Et moi, je ferai le nécessaire auprès de la poste. Merci. Avant, j'étais une tare. Maintenant, je deviens une star grâce à mes goûts. Vive la pauvreté, au diable les rouges. Au diable les riches. Voilà lui. Vas-y, papa, bonne journée. Merci, frère. Allez, allez Marco. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Cédric. Ah, oh, salut la famille. Pardon, oui. Cédric. Ça va, oui. Ça va. Ça merci va. D'avoir goûté les chocolats de Steph. Merci Stéphanie pour les chocolats. T'en as pas trop plein la bouche, ça va? Point, ouais. Ça va pas. Oui. Dis-moi, Cédric. Yep. Dernier Weary de l'année. Dernier on l'a l'année. Dit. Cette fois, tu n'es pas dans la nature. Tu es en ville. Oui. Une maraude avec. On le voit là sur les images avec l'association Macadam. Yes. Pourquoi avoir choisi de nous montrer ce milieu? En fait, c'est pas, on n'a pas choisi le milieu. Moi, personnellement, je pense personnellement que c'est le milieu qui nous a choisi. Donc là, c'est une approche
du côté nous concernant, côté humain. Et on est parti voir des personnes qui sont dans la rue, on appelle les SDF, leur rendre visite avec cette association qui accueille la structure Macadam. Et moi, j'ai eu un électrochoc, premier choc, en pleine face. C'est que moi, peut-être le premier à dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils partent pas chez eux? Mes frères qui sont dans la rue, frère Canac, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais quand tu es dans la structure, il y a une approche différente, tu commences à te calmer déjà, et puis à écouter. T'intéresser? Ouais. Voilà. Là, on voit Marco. Je sais que le soir, je suis revenu voir Marco pour lui proposer une barquette, par contre. Là, oui, là, c'est pour le film. Le soir, terminé le film, je suis parti, j'ai pris ma barquette et je dis, tiens, hop, je vais les partager avec Marco. Il dormait, j'ai fait Marco, il me dit, je dors. Laisse-moi, je dors. Marco, c'est Cédric. Ah, et là, assis, je lui ai proposé la barquette. Il a dit qu'il avait déjà mangé. Puis voilà, en fait, c'est l'humain dans ce magazine, terminé l'année. C'est ton... Et comme c'est bientôt Noël, ben, je lance un message à la Pops. Si jamais ils passent à côté, si jamais ils ont deux, trois trucs à donner, ben voilà quoi. On n'est pas différents, t'as vu. C'est juste la structure qui... La société qui... Bâtiment, c'est bizarre. Enfin, là, s'il y avait une forêt dans la ville, tu vois, ben on n'aurait pas cette vision, en fait. Sauf que comme là, c'est entouré de murs et entouré de... Béton. Chose, tu vois, de béton. Et là, on les regarde comme si c'était les derniers, tu vois. Voilà. Donc le dernier magazine, c'est pour donner un... Un électrochoc. Si vous dans la paume, je sais pas, dans la balle, pour dire, hey, on s'arrête un peu, on se pose un peu, on passe à côté, on sourit, on demande s'ils ont besoin de quelque chose. Voilà. C'est ton gros cœur qui a parlé. Écoute, tant qu'il y en a. Tant qu'il y en a, on s'en vas-y, sert, on s'en sert un peu. On s'en sert un peu. En tout cas, c'est important que tu nous rappelles ça, de s'arrêter un petit peu, d'écouter les autres, d'écouter tout le monde. Saison 2019, oui. Pour toi chargée. Qu'est-ce que un petit souvenir de cette saison 2019? Qu'est-ce qui te revient à l'esprit là? Oh. Tous les Wari que tu as fait cette année. Ben avec Stéphanie. Il y en a eu des choses. Il était super chiant. Non, pour chaque magazine a son petit grain de sable, donc on voulait tous les prendre, tu vois. Les rassembler, c'est ma plage à moi. Quoi. Pourquoi j'étais sûr que tu allais me raconter ça? Que tu allais me répondre ça? J'étais sûr. Ciblé, tu vois. Ok. Et la question que tout le monde attend, est-ce qu'il y aura une saison 2020 de Weary? Ah non. C'est la blague. Les larmes qui coulent, c'est pas là, ça. Après, c'est. Faut le dire, tu vois, c'est grâce à nos téléspectateurs que je suis là, tu vois. Grâce au ciel aussi. Mais c'est vu par la population et ça produit, je sais pas, le peuple, il est content du travail, c'est le peuple le patron. Voilà, tu vois papa? Donc oui, l'année prochaine, il y a parce que le peuple veut. Voilà, quand le peuple veut, quand le peuple voudra plus, il n'y aura plus Cédric. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la saison 2020. Yep. Weary continue et Cédric va nous faire découvrir, j'ai l'impression, de plus en plus de choses et de plus en plus de choses différentes. Bien. Merci beaucoup Cédric de ta présence en tout cas. Merci Steph. C'est bientôt l'heure de nous quitter. Tu restes avec nous pour les idées sorties de Steph, hein. Et puis le dernier live de Roots Rata, pardon, ce sera juste après. Les idées sorties, allez, petit jingle. Alors, toujours dans cet esprit de Noël, n'oubliez pas que demain, à partir de 19h30, c'est le coup d'envoi de la fête de la lumière à la place des Cocotiers à Nouméa, à Abre, Fontaine Céleste ou encore le musée de la ville Briron de Millefeu. Jusqu'au 30 décembre, la place des Cocotiers scintillera tous les soirs de 19h à 23h. Ensuite, si vous n'avez pas encore trouvé le bon cadeau de Noël, vous le trouverez certainement lors de la première édition de la fête du fruit et de l'horticulture à la salle Omnisport de Pointe-Boute le samedi 14 décembre, donc demain, de 8h à 16h. Donc des producteurs des trois provinces seront présents, soit plus de 60 stands. L'entrée est gratuite et vous pourrez vous restaurer sur place. Super. Enfin,
enfin, que seraient les fêtes de fin d'année sont danse, bien sûr. Alors pour, bien sûr, il faut se trémousser sur le dance floor. Alors pour celles et ceux qui ont besoin de s'échauffer un peu, hein, pour s'échauffer un peu, direction donc Canala, où DJ Kex va mettre le feu au dance floor dès ce soir à 19h30, et ce jusqu'à 5h du matin à la tribu de Kako. L'entrée est à 1500 francs. Donc Cédric, si tu veux aller un peu te dégourdir, super, pour t'entraîner pour les fêtes, pour être le roi du dance floor, eh ben Canala. Direction Kako, la tribu. Voilà. Kako. T'as du chemin là, parce que ça a commencé, ça va commencer là. Ouais, c'est ça, ça va commencer. Merci beaucoup Steph. Et on rappelle également la sortie de ce week-end à Calagomène. Ce sera où exactement? Au terrain de foot, dans le village. À Calagomène, bois panneau. Parfait. C'est combien? C'est combien? Le 13, 14, 15 décembre. Et c'est payant? Non, c'est gratuit. Super, c'est exactement... Les stands, bien sûr. Ah, les brochettes, c'est 200 francs, c'est ça, comme d'hab. Voilà. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été là. Merci à toi, Cédric, d'être toujours présent. Merci à toi, Stéphanie, de me supporter toutes les semaines. C'est un calvaire. Et merci à l'équipe technique de mettre en valeur les artistes. Merci à Roots Rata de venir nous faire du bien aux oreilles pour cette dernière de l'année. Et j'en profite pour dire merci à tous les artistes qui se sont déplacés sur le plateau de Calédonia. Et un petit message personnel, en ces temps difficiles pour la culture, sortez de chez vous, allez voir et supportez les artistes dans leur exposition, leurs concerts et leurs ateliers. Nous vous les présentons sur le plateau. Le but, c'est d'aller les voir là où ils sont, voilà, sur la scène d'un concert, dans leur atelier, en train de faire une exposition ou n'importe quoi. Il faut les supporter. C'est ça. Et ils ne mordent pas. Je vous le promets, aucun ne nous a mordus. On quitte cette saison 2019 avec le live de Roots Rata. Merci beaucoup la bande et à l'année prochaine pour nous aussi. Tata. Smiling like the sun that shines on your heart, burning away your passion for evil, standing as one people of Jah Rastaman. Brother Kanaki, Brother Kanaki, Brother Kanaki, smiling forever, showing the world the people of Jah Rastaman. Brother Kanaki, Brother Kanaki, Brother Kanaki, Brother Kanaki, Brother Kanaki, Brother Kanaki, Brother Kanaki. Thank you very much.